là, on a l'avant-dernier bureau de vote qui est en train d'être, saisi. Votant 189. Le bureau 20, par du château. Daniel, 138. 138. Mal, 43. Et Madame Gambard l'emporterait également sur le parc du château, donc le bureau 20. Et le bureau 21. Il reste donc un bureau à l'école Feller. 21. En avance encore. Daniel, il est en vert. Daniel, 76% dans le bureau 20. Quoi ? 76% dans le bureau 20. 80% dans le bureau 21. C'est stalinien, ça ? Oui. On est toujours dans l'attente du résultat du bureau de vote Peller. Donc le dernier bureau de vote.
bonsoir à tous. Je suis bien sûr émue, Nathalie aussi. On est très heureuse de vous accueillir ici ce soir à la Cabane des Créateurs. C'est un endroit qu'on aime et je pense qu'on va continuer à revenir parce qu'il nous porte chance. Plus de 54% des Chiliquois qui se sont exprimés, les Chiliquoises et les Chiliquois, nous apportent leur confiance aujourd'hui. Ce n'est pas une victoire de justesse, c'est une vraie victoire. Merci. Un peu délicate malgré tout. Elle s'est faite sur un fond de tension qui a grandi depuis 4 ans. Donc, pas de triomphalisme, on va rester modeste. On a gagné le droit de travailler pour Chitikaïm et la tâche qui nous attend est énorme. Vraiment. Bravo. Que c'est notre rassemblement dans l'enthousiasme, dans le positif, dans la demande. On a entendu la demande d'un changement pour les Chiliquois. Ils ne veulent plus qu'on fasse comme avant. Ils veulent que les élus soient dans une autre façon d'être et dans une autre façon de faire. Chiliquoises et Chiliquois, nous vous avons entendu. Nous allons faire notre programme dès demain matin. Les amis, les familles qui ont souvent été patientes, les sympathisants, tous ceux qui ont parlé autour d'eux, tous ceux qui ont cru en nous, et tous ceux évidemment qui se sont exprimés, et puis nos amis de Bischheim, nos amis de Henaim, nos amis de Strasbourg, qui nous ont envoyé leur soutien. Pour les agents de la ville qui ont été malmenés, qui sont sous tension. On va évidemment travailler à apaiser toute cette situation-là. Ça, je crois qu'on a un gros boulot à faire de ce côté-là. J'ai aussi une pensée pour quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui et qui est là-haut et qui nous regarde, c'est Denis Morer. Ce matin par les personnes du Linkhof. 7h30, on sera sur place pour stopper une démolition qui est en cours. Donc ce sera notre première action. Ensuite, j'ai déjà pris la tâche avec le maire sortant, Jean-Marie Kuttner, pour qu'on voit les affaires les plus urgentes à régler. Je tiens aussi à le remercier pour son geste que je dois souligner,
malgré tout, inattendu pour moi, un geste grand seigneur et à ceux de son équipe qui veilleront à ce que la passation se fasse bien et qui nous ont fait confiance. Donc merci à nos amis centristes, merci à tous ceux qui nous font confiance au-delà d'un clivage partisan parce qu'ils savent que Chilic est à reconstruire maintenant. Voilà. Très heureuse d'avoir pu porter nos valeurs, nos convictions, dans l'enthousiasme mais aussi dans le sérieux, dans la conscience de la gravité de la situation de la ville, comme tu l'as dit, dans l'apaisement, à rechercher. C'est une nouvelle ère. On prend part véritablement au récit collectif, au récit local. Et je suis très heureuse que Danielle soit la première mère femme de Chilic. Officiel. Ça y est, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Ouais. Donc rendez-vous au Dingo dès demain matin, alors, c'est demain ça? Demain matin, 7h30. C'est la première action en tant qu'élu de la majorité. Tout de suite être sur le terrain. Donc voilà. Le travail est là, il est devant, on va s'y employer. S'il fallait retenir une seule chose de ces élections, pour vous, ce serait quoi? La gravité et l'enthousiasme. Vraiment. Des responsabilités et l'enthousiasme qu'on a eu à faire cette campagne, à porter nos valeurs. Merci à vous. Merci. Félicitations.
Normalement, moi, j'ai